passé une excellente journée, papa. Excellent. Le Mexique sort de sa crise financière. Au fait, sais-tu, je regarde la date sur le journal, sais-tu ce qui va se passer dans 3 jours, Toto? Oui, oui, ça va être mon anniversaire, je vais avoir 9 ans. Tu sais que, Toto, qu'à 9 ans, tu vas être presque un homme, hein? Grandis vite. Ah oui, est-ce que ça veut dire ça que je vais pouvoir épouser la fille du voisin à côté, là? J'ai dit, Toto, presque un homme. Ta mère sera pas contente, elle n'a pas mis de cendrier encore. Ouais. Non, j'ai dit presque un homme. Non, parce que, vois-tu, j'ai parlé avec ta mère, Toto. Oui. Et puis, on a décidé, ta mère et moi, on a toujours pris les décisions ensemble, c'est-à-dire qu'elle disait oui. Oui. Que tu étais assez vieux pour pouvoir choisir ton cadeau toi-même. Oh, youpi, youpi, youpi! Je le sais ce que je veux, papa, je le sais, je le sais, je le sais. Dis-le à papa, Toto. Je veux une mitraillette. Alors, mais Toto, voyons, à 9 ans, là, t'es rendu trop grand pour t'amuser qu'une mitraillette jouait. Non, non, mais je parle pas d'une mitraillette jouet. Ta mère, elle entend tout, Toto. Oui. Je parle pas d'une mitraillette jouet, papa. Je parle d'une vraie mitraillette, là, comme à la guerre. Alors, t'es pas sérieux, Toto. Oui, papa. Une mitraillette, elle parle sérieusement. Donc, qu'est-ce que tu t'aimerais avoir comme... Une mitraillette! Tu veux une mitraillette, papa? Voyons, Toto, qu'est-ce que tu ferais qu'une vraie mitraillette? Oui. Ben, par exemple, quand la maîtresse, elle me demanderait, là, Toto, pourquoi t'as pas étudié tes leçons? Ben, je dirais... Écoute, je mettrais ma mitraillette en dessous du nez. Arrête de me poser des questions plates que je connais pas les réponses, OK? Ah, qu'est-ce que t'en penses, papa? Tu te penses comique, là, Toto? Non. Tu te penses comique. Non, revenons aux choses sérieuses. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? On te laisse choisir, mais fais pas l'imbécile. OK. Une mitraillette. Hein? Qu'est-ce que tu dirais, Toto, d'une paire de claques, d'une paire de patins? Non. Non? Non. Mais qu'est-ce que tu veux? Une mitraillette! Papa, une mitraillette! Toto, arrête tes sacrés. Papa, tu dis que je suis assez grand pour choisir mon cadeau moi-même, ben, je l'ai choisi, je veux une mitraillette. Bon, arrête tes sacrés, il ne peut pas avoir une mitraillette, une vraie mitraillette, Toto, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce que tu dirais, mon petit Toto, si papa t'achetait une belle bicyclette? Non! À deux roues? Non! Ah, t'es peu, tu veux pas de patin, pas de bicyclette, des skis, Toto? Un petit écran, là, le petit... Je veux une mitraillette. Bon, Toto, tu commences à me faire perdre patience. Ça n'a pas d'allure, une mitraillette. Trouve-toi un autre cadeau. Toto, tu vas me faire perdre patience. Voyons donc. Et si tu continues à m'obstiner comme ça, hein, par vouloir une mitraillette, tu n'auras pas de pantoute de cadeau. Comprends-tu, là? Hein, qui tu penses qui commande ici? Oh, hein? Maman, c'est toi, mais si j'avais une mitraillette, c'est moi qui commanderais ici.